Monsieur le ministre de la Défense, représentant de la ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef, Mesdames, Messieurs les cadres de l'institution policière, policiers, policières, familles et tout, Mesdames, Messieurs, nous voici tous rassemblés ici ce matin à l'église sur Montchéri pour rendre et reprendra avant la fin de la cérémonie religieuse. Sans perdre de temps, nous faisons place au révérend pasteur Kisnel qui va procéder à la célébration religieuse. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, messieurs, mesdames, les membres du gouvernement, monsieur le directeur général de la PNH, monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, messieurs, mesdames, les membres du haut état-major de la PNH, messieurs, mesdames, les cadres de la PNH, policiers, policières, parents et familles éplorées, messieurs, mesdames, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, amis dans le Seigneur, messieurs, mesdames. En ce moment, vous êtes vivants, vous respirez, vous vous déplacez ou vous travaillez. Peut-être avez-vous une vie aisée. Au contraire, menez-vous une existence misérable. Le soleil se lève et se couche. Quelque part, un enfant naît, tandis qu'ailleurs, quelqu'un meurt. Ou plutôt, quelques-uns meurent. Claude Pédès-Fortinien, Dorsé, Pierre Paul Junior, Nicolas Robinson. Nous voici aujourd'hui tous rassemblés pour rendre un dernier hommage à ces trois martyrs de la sécurité de la nation haïtienne, victimes du devoir, assassinés le dimanche 9 avril dernier, alors qu'ils participaient à une mission police. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter avec le pasteur Bédé. Je t'appartiens au sol.
C'est vrai, ce matin, que la première fois est extrêmement difficile. Mais Seigneur, pardonne-nous par parole, au Dieu qui suit. Après ces constats-là, nous avons la première fois. Seigneur, l'église est bonne. Avec tout ça, nous avons fait. Pendant que nous avons fait trois fois ça, va faire pour la parole de nos Seigneurs. Nous t'appuyons ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as été pour nous les refuges de génération en génération. Avant que les montagnes fissent et que tu puisses créer la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, où est-ce que quand on y lance à tes yeux, comme le jour quand on s'y n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Tu les envoies semblables à un son qui le matin passe en l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés comme la colère et la fureur. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Pour nos jours disparaissent par ton pouvoir. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui retire n'est que paix et misère car il passe vite et nous en venons. Qui prendra dans la force de ta colère à ton cours, selon ta crainte qui t'est dessus. Enseigne-nous à écouter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as éliminés. Termine l'ouvrage de nos mains, parole du Seigneur. Maintenant, nous faisons place au faveur de la police nationale dans le monde. Merci, Tavali. Et puis, si tu nous vas chercher, allez, vous faites quoi de famille, si tu mets la police avec nous. Bonne méchant, 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 bon
et leurs complices pour que justice soit rendue. Oui, justice doit être rendue à tous les policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Justice doit être rendue à tous les professionnels et autres membres de la population victimes des actes de barbarie des groupes armés criminels. Dans cette circonstance spéciale, le haut commandement de la PNH, fidèle à son devoir et reconnaissant des sacrifices consentis et du service rendu à la nation, a décidé la promotion à titre posthume, conformément à la loi, le policier Pierre-Paul Junior Dorcy, au grade d'agent 3, l'agent Robinson Nivola, au grade d'agent 3, Médès Fortinien, Claude, au grade d'agent 2. La petite, par un policier qui a assassiné, que la police l'a fait en seul avec eux. Remandez-nous pour nous prendre note de samedi. La petite par un policier qui est victime de nous. La police là a fait un seul avec nous pour supporter le moment difficile. Pour nous supporter le moment difficile. Comme nous remarquons, c'est pas sans raison que nous voyons que nous moins ça dans la radio par un policier, soit un policier d'accord. Lâchez-vous. Pays a vécu un moment difficile où des populations pas à l'aise pour marcher et mener activité surtout dans les zones métropolitaines. Pays a connu une crise sociale, économique et politique. Seuls nous sommes ensemble, mais nos pieds. Nous sommes tous les
Je ne m'appelle pas.